voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tea talk. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait. Je ne sais même pas si on est déjà fait en vrai sur ma chaîne. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tea talk. On est dimanche à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Ce fut un peu compliqué. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo 3 jours dans mon assiette avec un retour de course qui sortira la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Je me suis fait une petite tisane. En réalité, c'est cette tisane là. C'est cette tisane là de chez Yogi Tea au choco. J'aime beaucoup. Je vous avoue que c'est pas pareil qu'une tisane aux plantes. Et franchement, ça fait trop du bien en ce petit dimanche de février. Aujourd'hui, je voulais me poser un peu ici avec du coup ma petite tisane pour parler de la confiance en soi, de la positivité. Je voulais un peu poser et parler, aborder ce genre de sujet là parce que je trouve qu'en cette saison un peu hivernale, c'est le bon moment aussi d'aborder ce sujet là. L'année dernière, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Accepter l'hiver ou quelque chose comme ça, que vous aviez d'ailleurs bien aimé, que j'avais adoré tourner. Je vous la mets dans le petit i juste ici si ça peut vous intéresser. Là, je voulais faire un peu une vidéo dans le même style mais pas du tout totalement pareil. Évidemment, le but c'est pas de refaire la même vidéo sinon cela n'aurait aucun intérêt. Et bien, en tout cas, je voulais vous donner quelques conseils pour avoir confiance en vous, pour être peut-être plus positif en ce mois de février, quoi, qui n'est pas toujours des plus évidents. Je trouve que l'hiver, des fois, bah, ça peut aussi plomber le moral, mais ça peut être aussi une très bonne saison. Ça dépend sous quel point de vue on le voit. Un truc que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était le fait de, je pense, quelque chose qui est important, c'est d'accepter aussi ses émotions, d'accepter des fois d'être stressé, d'accepter que des fois ça va pas toujours et que c'est aussi ok. Parce que je vous avoue que ces derniers temps, enfin je dirais même ouais, ces 2-3 dernières semaines, ça va pas toujours incroyablement bien, quoi. Voilà, je dirais pas que ça va mal, mais je dirais pas que ça va bien non plus, vous voyez. C'est un peu ce mood un peu ultra intermédiaire qui est un peu bizarre, un peu chelou comme on pourrait dire, et qui est assez chiant d'ailleurs je trouve. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi d'accepter le fait que, ben ok, là je vais peut-être pas trop bien et c'est ok. Si j'ai pas envie de sortir, c'est ok. Si j'ai envie juste de rester chez moi, ben c'est aussi ok. Et si j'ai envie de pleurer, ben je pleure. Si j'ai envie de crier, je crie. Enfin, vous voyez un peu le truc, c'est d'accepter ses émotions, accepter les fois le fait que ça n'aille pas. Et je pense que c'est pas toujours évident à faire parce qu'on a toujours tendance à vouloir un peu essayer de sourire, se changer les idées. Mais je pense que le fait des fois d'accepter ses émotions, qu'elles soient positives comme négatives d'ailleurs, vraiment les laisser passer à travers soi et les laisser repartir. Parce que si on essaye de lutter contre ces émotions, je pense que tôt ou tard, dans tous les cas, elles reviendront et ça n'arrangera rien. Donc essayons plutôt d'accepter, de les laisser rentrer en nous et de les laisser repartir aussi vite qu'elles sont venues, si vous voyez ce que je veux dire. Pour que ça nous évite de nous plomber le moral trop longtemps. Et du coup, ça va de soi parce que du coup, si on accepte nos émotions, on va être négatif peut-être moins longtemps. Donc on va être par ce fait plus positif. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Autre chose aussi à faire en cette saison, si vous n'êtes pas toujours ultra positif ou que des fois ça va pas toujours, comme je vous le disais, c'est comme, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo que j'ai sortie cette année, c'était... je sais plus comment réussir en 2024, je sais pas comment je l'ai appelé cette vidéo, je me souviens plus. Bref, cette vidéo là que je vous mets dans le petit i juste ici si ça vous intéresse d'aller regarder, c'est de faire du journaling ou d'écrire. Des fois écrire juste bah, ce qui va pas, ce qu'on a envie de faire aussi, ce que nos objectifs et pourquoi ça va pas. Juste d'écrire sur un papier, ça permet d'extérioriser et donc du coup de passer à autre chose et par ce fait d'aller mieux aussi. Parce que je pense que des fois on intériorise beaucoup de choses à l'intérieur de nous et c'est bien aussi. Et je pense que c'est bien aussi des fois de les écrire, de mettre des mots sur nos mots, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment le fait d'écrire, de se poser et de mettre pourquoi pas une musique en fond ou de se mettre dans un environnement hyper calme. De se poser, c'est pas toujours le hyper agréable de se poser, d'écrire ce qui va pas, mais je trouve qu'après c'est vraiment pour le mieux, pour après justement essayer de vraiment juste aller mieux. Parce que je pense que c'est ce genre de petites choses qui cumulées font toute la différence. Quelque chose aussi qui peut vous faire du bien, c'est de prendre le temps par exemple de cuisiner, de vous faire quelque chose qui vous fait plaisir, par exemple cuisiner un bon petit plat, prendre une petite boisson chaude comme je suis actuellement en train de le faire, sortir dehors, juste voir un peu la nature, même juste se défouler, voir des gens qu'on apprécie, notre famille, nos amis. C'est des choses aussi qui peuvent pas mal nous aider en cette période quand ça va pas toujours et que c'est pas toujours évident. Je pense que plein de petites choses comme ça, même le fait de prendre soin de soi, de se reposer, d'accepter de se dire bah ok là je me repose parce que c'est important et que j'en ai juste besoin à l'instant T et que si je me repose pas ça va pas aller mieux. Et des fois accepter de se dire bon bah ok, cette tâche que j'avais prévu de faire aujourd'hui ou cette tâche là, et ben je les fais pas et je les repousse parce qu'elles sont pas urgentes et que mon bien-être
est plus important, en tout cas à l'instant T. Et c'est pas toujours évident de se dire bon bah ok, je me repose, même si des fois j'en ai, il y a tellement de choses à faire. Mais des fois, je pense que pour pouvoir faire les choses bien après et pour pouvoir être mieux, se reposer, faire des choses qu'on aime, c'est quelque chose qui peut vraiment nous remonter le moral et nous faire du bien. Je pense que c'est juste des fois tout simple, mais on se l'autorise pas tout le temps, je pense, de juste se poser. Et bah ok, là c'est ok si je fais rien, si je scrolle sur les réseaux sociaux, si je regarde une série, un film, si juste je dors un peu plus que d'habitude ou si juste je fais une sieste, je ne sais pas, mais juste je lis. Ça peut être n'importe quelle activité. Mais juste une activité où on réfléchit pas et où on se pose, des fois c'est nécessaire aussi. On en a besoin quand même de temps en temps, je pense. Donc voilà, quelques conseils pour essayer peut-être d'aller un peu mieux en cette période qui n'est peut-être pas toujours évidente. Enfin, je sais que l'hiver n'est pas quelque chose... C'est pas la saison préférée de tout le monde. Moi, je sais que j'arrive et que j'aime bien l'hiver par moments. Il y a des fois ça me gonfle et il y a des fois j'aime bien. Je dirais qu'en général, c'est une saison que j'aime bien, notamment avec la neige, le fait que les journées soient plus courtes. Mais il y a des fois où ça me tape aussi sur le champignon et que j'en ai un peu marre et que j'ai envie de soleil. Mais ça reste une saison que j'apprécie et que j'ai appris à aimer au fur et à mesure du temps parce que je trouve ça aussi cool des fois de se reposer. Donc franchement, si vous voulez plus de conseils pour vraiment accepter l'hiver, vraiment plus à proprement parler, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo que j'ai fait l'année dernière. En tout cas là maintenant que je vous ai donné quelques petits conseils, que j'ai un peu parlé avec vous de quand ça va pas trop, je voulais aborder aussi en deuxième partie de cette vidéo la confiance en soi. Je me suis dit que c'est quelque chose, je me souviens pas trop l'avoir déjà abordé sur YouTube. Peut-être une fois, je me souviens plus du tout. C'est possible que dans une des vidéos, je vous en ai déjà parlé. Bref, je me suis dit que ça pourrait être dans tous les cas cool de me poser avec vous et d'en parler. Déjà pour moi, la confiance en soi, c'est difficile à définir la confiance en soi. Je me permets de faire une petite pause dans cette vidéo pour vous expliquer clairement ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la conviction d'avoir les ressources nécessaires en soi pour faire face à ce qui va t'arriver. C'est la capacité à se jeter dans l'action malgré les doutes, et la connaissance de soi reste la base fondamentale de la confiance en soi. La confiance en soi ne vient pas seulement de penser qu'on est capable, mais aussi de savoir qu'on n'a pas peur d'échouer. Et comme Martin Luther King l'a dit, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Mais je pense que déjà c'est quelque chose qui se construit, qui se crée en fait, c'est pas quelque chose qui va venir naturellement comme ça en claquant des doigts. Certes, il y a des personnes qui vont naître ou qui vont avoir un caractère, une personnalité qui va faire qu'ils vont avoir plus confiance en eux ou qui vont paraître en tout cas plus confiants. C'est pas pour autant qu'à l'intérieur d'eux tout va très bien. Mais je pense que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui se crée au quotidien et qui au fur et à mesure du temps s'améliore de plus en plus. Mais c'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. Ce serait trop beau pour être vrai malheureusement. Et je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose que des fois on néglige un peu, mais c'est tellement important dans la vie d'avoir un minimum confiance en soi pour pouvoir en fait faire juste ce qui peut nous faire plaisir, des choses des fois que l'on rêve, qu'on n'ose pas faire sous prétexte qu'on n'a pas confiance en nous. Et c'est dommage des fois de ne pas les faire juste parce qu'on n'a pas confiance, alors que ce serait peut-être tellement incroyable si on les faisait. Des fois, se créer un petit peu de confiance en soi, ça peut être réconfortant aussi dans certains cas et juste nous permettre d'accomplir ce en quoi on croit réellement et ce qu'on a réellement envie. Parce que des fois, ça vous est pas déjà arrivé dans une certaine situation de ne pas avoir suffisamment confiance en vous et donc de ne pas le faire en fait parce que vous n'aviez pas confiance, alors que peut-être que vous passiez à côté de quelque chose de génial mais sous prétexte que vous n'aviez pas confiance vous le faites pas. Et en vrai c'est tellement dommage, mais ça m'est bien sûr aussi déjà arrivé et je pense que c'est quasiment déjà arrivé à tous ceux qui me regardent à l'heure actuelle, parce que c'est juste humain et qu'on n'a pas confiance en soi forcément à 10 000% tout le monde dès qu'on est, parce que je pense que ça n'existe pas en réalité. Je pense que pour essayer d'avoir confiance en vous, ou en tout cas plus confiance en vous, ça pourrait être de arrêter de voir constamment le négatif sur vous-même, mais essayer de voir le positif, de regarder que ce que vous aimez. Par exemple, vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous trouvez bien chez vous? Et juste faites une liste de ce que vous trouvez bien et arrêtez d'avoir ces pensées parasites qui vous disent non, ça c'est pas bien, mais il y a ça qui va pas, mais il y a ça qui va pas. Non, juste focalisez-vous sur le positif, que ce soit sur vous-même, mais physiquement parlant, mais aussi sur ce que vous, les actions que vous réalisez. Ok, là j'ai réussi à faire ça, donc je peux être fière de moi. Et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est important, de pas voir le négatif, parce que plus on va voir le négatif, plus on va voir ce qui va pas en nous, ce qu'on fait mal, nos défauts, etc., moins on va avoir confiance en soi, évidemment, ça va de pair. Par contre, plus on est positif, plus on essaye de voir tout ce qui va bien chez nous, et plus la confiance en soi, elle va venir petit à petit. Alors bien sûr, ce n'est pas miraculeux, ça se saurait, je crois. Et si vous devez vous raconter quelque chose, c'est aussi pourquoi j'avais un peu envie de vous parler de ça aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai pas forcément parlé. J'ai eu une compétition de cheerleading assez récemment, je dirais il y a 3 semaines, quelque chose de ça.
Et je vous avoue que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de compétition, ça devait faire 6-7 ans. J'ai donc repris cette année en compétition le curling bâton, comme je vous en ai d'ailleurs dit dans mes précédentes vidéos. Et c'est un sport que j'aime beaucoup, j'adore aller aux entraînements, c'est un sport qui me passionne réellement. Par contre, lors de cette compète, ben, c'est vrai que j'ai fait quelque chose de catastrophique. On va pas se mentir, j'ai totalement raté ma compétition. Alors, c'était cette compétition où il n'y avait pas d'enjeu, par chance, je ne sais pas, mais il n'y avait pas d'enjeu. Et pour être très honnête avec vous, quand je suis passée, je me sentais pas à l'aise et je sentais que j'avais pas confiance en moi réellement. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai raté en partie, parce que le fait de pas avoir confiance en moi a fait que ben, j'ai peut-être pas forcément réussi. Et psychologiquement parlant, ça a un impact évidemment. Et je pense que le fait d'avoir raté et de pas avoir réussi, parce que bah, c'est aussi ok, évidemment ça arrive à tout le monde de pas réussir tout le temps et que c'est normal, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de compétition, donc tu peux pas réussir du premier coup et je pense que ce serait trop beau pour être vrai, mais j'avoue que ça m'a fait un coup et je me suis dit que ben des fois justement se relever de cette expérience où c'est vrai, par exemple regarder la vidéo de mon passage, c'est quelque chose que j'ai pas du tout kiffé faire parce que enfin, tu vois tout ce qui va pas en toi, réellement. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je vous dis de vous concentrer sur le positif. Parce que oui, c'est vrai que ça a été catastrophique. Mais le but, c'est pas de perdre confiance en soi. C'est de se dire, bah, ok, bah, la prochaine fois, je vais travailler encore plus dur. Et je vais prouver que je peux y arriver. Me prouver à moi-même aussi, avant tout, que je peux faire quelque chose de correct. Et je pense qu'il faut pas perdre confiance en soi dans ce genre de moment. Et c'est hyper difficile. Parce que des fois, on a juste envie de tout abandonner. Et de se dire, non, mais c'était nul. Enfin, y a rien qui va. C'était pas bien. Ça, c'était pas bien. Ça, c'était pas bien. Et en fait, je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Il faut plutôt déjà aller de l'avant parce que je pourrais jamais revenir en arrière. Et juste essayer de tout donner pour les prochaines fois pour ne pas avoir de regrets, en fait, tout simplement. Ouais, en fait, juste d'avoir une vision différente des choses, ça peut vraiment avoir un impact considérable sur plein de choses. Bref, j'ai quasiment terminé ma petite tisane. Je sais pas trop comment j'ai parlé, si c'était très clair ce que j'ai voulu dire. En tout cas, j'ai essayé de vous parler avec le cœur et de vous dire vraiment ce que je pensais en ce moment-là. J'avais un peu envie de me poser. Je sais pas trop s'il y avait un fil conducteur. Je sais pas trop où ça a amené, en tout cas, si vous m'avez comprise. En tout cas, si vous voulez que je développe le sujet ou que je me pose un peu plus comme ça pour parler dans certaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser là. Je vais aller poursuivre mes activités en ce dimanche. Il y a quelques rayons de soleil qui apparaissent, comme vous pouvez le voir. On le voit, il y en a de temps en temps, il fait un peu nuageux et un peu de soleil de temps en temps. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner tout simplement. Prenez soin de vous. Voyez le positif dans toutes les choses, c'est extrêmement important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !